Le mot échec vient du vieux français échec. Il signifie à l'origine butin, prise, mais aussi toutes sortes de bonnes aubaines. Par extension, le mot a signifié escarmouche, bataille, attaque furieuse, ravage de la bataille. Le mot échec, dont il est altéré vers 1165, semble découler du latin médiéval scacus, qui signifie pièce du jeu d'échecs. Ravage de la bataille entraînant la défaite du roi. Ainsi le roi est vaincu, dit le persan Shamat, évoquant dans le jeu d'échecs la défaite du roi lorsque ce dernier ne peut ni se couvrir, ni se retirer. Le mot échec est utilisé à chaque fois que le roi est attaqué ou que la reine est en prise. Il est alors dit échec au roi, échec à la reine. L'image passe dans les expressions populaires. Le roi qu'on n'osait ni secourir ni abandonner fait échec et mat, écrit Voltaire. Mais revenons un instant aux sources du mot. Échequerré signifie barioler comme un échiquier, divisé en carrés de diverses couleurs, écartelé. Échequier signifie jouer aux échecs. Échequer à quelqu'un veut dire le faire mat, le renverser. Mais il signifie aussi trésor royal, temps de séance d'un parlement. Explorons maintenant quelques usages du mot. Donner échec à une femme signifie s'attaquer à sa vertu. Tenir en échec une personne signifie mettre l'autre dans l'impossibilité d'agir, de prendre une décision, c'est-à-dire l'empêcher de se déplacer. Cela signifie aussi forcer de rester dans une position où l'autre ne peut ni agir, ni décider quelle partie prendre. L'échec est ce moment précis du jeu, de la situation, d'où il convient de se couvrir ou de se retirer, car soit il nous pousse à la défaite, ou au contraire, nous le suscitons avec ruse pour mieux conduire l'autre à se retirer ou à le mettre mat. Se laisser mettre en échec pour mieux mettre l'autre mat, voici l'art ultime de la guerre. De là peut-être l'expression « tenir la raison, les lumières de quelqu'un en échec », c'est-à-dire comprimer, paralyser ses facultés intellectuelles. Cette manière de faire aura peut-être conduit à cette ancienne expression « aux échecs, les fous sont les plus près du roi ». Elle signifie qu'à la cour et près des princes, les gens peu raisonnables sont souvent en grande faveur. Ainsi, dire que l'on apprend de ses échecs pourra relever d'un abus de langage. L'abus s'est certainement produit avec la proximité acoustique du mot « échoué », terme apparu plus de 450 ans plus tard. Aussi, dire que l'on apprend de ses échecs est erroné, car se trouver en échec, c'est occuper une situation de blocage dont il convient de se retirer ou de se couvrir. La partie n'est pas encore terminée. Pour pouvoir apprendre pleinement de sa position d'échec, il conviendra d'aller jusqu'à la défaite ou jusqu'à la victoire.